Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Brookhaven. Et les amis, on va parler de quelque chose que j'adore dans Brookhaven. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, c'est comment rentrer dans les maisons desquelles on a été ban. Les amis, j'ai une méthode qui est infaillible, qui marche dans 100% des cas pour réussir à rentrer dans les maisons si jamais quelqu'un vous a ban de sa propre maison. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, je vous avais fait une vidéo, en fait, il y a quelques jours de cela, il me semble, dans laquelle je découvrais avec vous qu'en fait aucune des techniques qui marchaient il y a encore quelques semaines de cela ne fonctionne à présent. Wolfpack a fait en sorte que maintenant lorsqu'on est ban, eh bien on a quasiment aucun moyen de re-rentrer dans les maisons. Sauf que dans cette vidéo là justement les amis, je vous disais que si vous avez découvert un moyen de rentrer, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et vous avez été quelques-uns à me donner une méthode juste géniale pour réussir à rentrer quoi qu'il arrive. Et j'ai essayé ça, j'ai vu que ça marchait, du coup je me suis dit que j'allais partager cette méthode avec un maximum d'entre vous. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire, et c'est ce que je vais vous montrer justement aujourd'hui. Alors juste, si vous ne connaissiez pas cette technique, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, un pouce bleu à cette vidéo. Comme ça, je saurai exactement combien de personnes notre super communauté a pu aider et combien d'entre vous vont dorénavant réussir à rentrer dans les maisons desquelles ils ont été ban. Un immense merci à tous. Alors je vais commencer bien sûr par me faire ban d'une maison. Ça, normalement, ça ne devrait poser aucun problème, les amis, puisque vous le savez, je suis la pro des cambriolages, mais je suis également la pro pour me faire ban dans Brookhaven. En général, je me fais ban plus vite que mon ombre. Alors, est-ce que vous allez me ban ou pas? Je suis une parfaite étrangère qui rentre chez vous. N'hésitez pas à me ban. Oh my god, les amis, ça commence bien. C'était pareil dans ma précédente vidéo. Attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais leur tirer la langue. Si je leur tire la langue, c'est obligé qu'ils me ban. Non, attendez. Alors regarde, je te tire la langue. Allez, s'il te plaît, banne-moi de ta maison. Les amis, ça ne marche pas. J'ai beau lui tirer la langue, il ne me banne pas. Alors à moins que ce ne soit pas chez lui. Mais du coup, je vais être obligée d'aller tirer la langue à tout le monde. Attendez, regardez ça. Vous avez une étrangère chez vous qui vous tire la langue. Et les amis, il ne trouve rien d'autre à faire qu'aller se coucher. Bon, je vais être obligée de passer au plan B. Franchement, je ne voulais pas vous cambrioler, mais là, vous ne me laissez pas le choix. Je vais être obligée de voler tout votre argent. Allez, c'est parti. Les amis, vous le savez, je connais toutes les cachettes des coffres-forts de toutes les maisons de Brookhaven. D'ailleurs, je vous ai même fait une vidéo à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller la regarder et à la partager à vos amis, car grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir cambrioler toutes les maisons de Brookhaven sans exception. Et voilà qui est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller leur montrer que j'ai volé tout leur argent. Les amis, aucune réaction. Non mais regardez ça, j'ai cambriolé votre coffre-fort, j'ai volé tout votre argent. Vous attendez quoi pour me ban? Ni le papa, ni la maman, ni le petit ne me ban, les amis. Comment est-ce que je vais faire pour vous montrer ma technique pour rentrer dans les maisons desquelles vous avez été ban si je n'arrive même pas à me faire ban? Oh my god. Bon, par contre, je vois que je ne suis pas la seule à mettre des plats un petit peu partout lorsque je les utilise. Donc, ça me rassure un petit peu. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, les amis? Ils me regardent comme ça. Non seulement je leur tire la langue et en plus, je vole leur argent. Ah d'accord, il est en train de me faire comprendre qu'en fait, il a encore plein d'argent et que ça ne l'embête pas. Bon, les amis, je pense que là, je vais devoir lâcher l'affaire et trouver une autre maison de laquelle je vais essayer de me faire ban. J'espère vraiment que cette fois-ci, ça va marcher. Les amis, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo pour que j'arrive enfin à me faire ban. En général, je me fais ban plus vite que mon ombre, sauf dans les vidéos dans lesquelles je veux me faire ban pour vous montrer des hacks pour rentrer quand même. Alors lui, il va me ban? Non, il est devant sa porte. Si je rentre dans sa maison, normalement, il devrait me ban sans problème. Je rentre chez toi, regarde ça. Banne-moi, s'il te plaît, par pitié. Non, les amis, toujours pas de ban. Bon, attendez, j'ai vu qu'en face, dans la maison d'en face, il y a plein de monde. Et là, c'est sûr, je vais réussir à me faire ban. C'est obligé. Franchement, si là, ça ne marche pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, je suis déjà dedans, donc ça, c'est cool. En plus, elles m'ont toutes vu rentrer. Je vais vite aller vers le coffre-fort et les cambrioler comme ça. C'est sûr et certain qu'elles vont me ban. Là, franchement, si elles ne le font pas, je ne comprendrai pas, les amis. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais banne-moi, s'il te plaît, les amis. Au lieu de me ban, elle me porte et elle me sort en dehors de chez elle. Non, mais c'est pas possible. Ils sont beaucoup trop gentils dans ce serveur. Je crois que c'est le serveur dans lequel il y a les personnes les plus adorables que je n'ai jamais vues dans Brookhaven, les amis. Ils sont vraiment trop gentils. J'ai beau les embêter, leur tirer la langue, les cambrioler, personne ne veut me ban. Franchement, en temps normal, j'aurais
adoré. Mais aujourd'hui, j'ai juste besoin de me faire ban. Je suis désolée les filles, mais je vais continuer à vous embêter jusqu'à ce que vous me bannissiez. Mais sachez que franchement, je vous trouve juste adorable. Grosse dédicace à vous toutes. Les amis, regardez ça. Je les cambriole. Et pour l'instant, elles ne m'ont toujours pas ban. Elles me regardent en train de cambrioler leur coffre-fort. Quand je vous disais que c'était les personnes les plus gentilles de tout Brookhaven. Non mais elles sont juste trop cute. Elles sont non seulement trop belles, mais en plus, elles sont trop gentilles. Franchement, je suis désolée les filles, je m'excuse encore. Vous êtes juste trop trop cute. Mais j'ai besoin que vous me bannissiez. Il faut que je montre à mes abonnés. Ah ben voilà. Ouf les amis. Je pensais que j'allais jamais y arriver, mais elles ont enfin décidé de me ban. Franchement, je suis trop contente. J'ai jamais été aussi contente de me faire ban. Du coup, je vais pouvoir récupérer ma taille et vous montrer enfin la technique pour rentrer dans cette maison, même si les propriétaires vous ont banni. Alors, vous le voyez, c'est bien cette maison, l'emplacement numéro 17. Et le mur rouge indique que j'ai bien été ban de cette maison-là. Elles sont toujours là, les jeunes filles. Je rêve ou j'ai l'impression qu'elle est en train de me narguer parce que je ne peux plus rentrer dans sa maison. Oui, oui, je crois qu'elle me nargue. Et franchement, je ne lui en veux même pas parce que je les ai pas mal embêtées, les pauvres. Du coup, les amis, voici la technique. Vous allez avoir besoin soit d'un compte alternatif à vous. Là, je vais faire appel à ma sœur Cynthia qui est devenue la plus adorable des sœurs. Ou alors, les amis, il faudra demander en ami l'une des personnes qui est dans ce serveur, dans le serveur dans lequel il y a cette fameuse maison de laquelle vous avez été ban. Donc, vous demandez cette personne-là en ami. Alors oui, il y a une condition, c'est que cette personne que vous demandez en ami, elle ne soit pas ban de la maison, ou que votre compte alternatif que vous utilisez comme moi avec Cynthia, eh bien que Cynthia ne soit pas ban, ce qui est le cas, hein. Cynthia, elle était tranquille dans le serveur chez elle, elle ne les a pas embêtés, du coup elle n'est pas ban. Donc il vous suffit tout simplement d'avoir un ami en fait dans ce même serveur. Et une fois que vous êtes sûr d'avoir un ami dans ce serveur, vous pouvez quitter ce serveur comme je suis en train de le faire, et ensuite il faudra rejoindre cet ami en question. Donc moi je vais rejoindre Cynthia qui, elle, est bien sûr restée sur ce même serveur. Bien sûr, les amis, si votre ami se déconnecte, ça ne marchera pas, hein. Il faut que votre ami reste dans ce même serveur. Et voilà, les amis, donc j'ai rejoint le même serveur dans lequel j'étais, là où il y avait la maison de laquelle j'ai été ban, grâce à Cynthia qui, elle, est restée sur ce serveur-là. Et maintenant que je suis de retour, les amis, regardez ça. Comme par magie, je ne suis plus ban de cette maison. Je vous remontre juste que Cynthia, elle, est toujours là. Vous le voyez, elle n'a pas bougé. Donc, c'est la preuve que je suis revenue dans le même serveur. Il y a toujours cette même maison avec les mêmes murs verts au même numéro, le 17. Sauf que la différence, les amis, c'est que le fait d'avoir quitté et d'avoir rejoint à nouveau, eh bien du coup, vous n'êtes plus ban de cette maison. Et du coup, les amis, je ne peux pas résister à l'envie de recommencer. Comme ça, je vais vous remontrer que cette technique, eh bien, elle marche bien à tous les coups. Donc pour cela, je vais me rééquiper de mon plateau et de ma bombe pour faire exploser le coffre-fort. Et on va y retourner. Donc là, il n'y a personne en bas. Dommage, j'aurais aimé qu'elles me voient direct. Elles sont toutes à l'étage. Ça tombe super bien. Je vais les cambrioler. J'espère que j'aurai le temps de les cambrioler quand même, parce que oui, ça m'amuse quand même de voler l'argent des coffres dans Brookhaven. Vous le savez, les amis, je rêve ou j'ai réussi. Elles étaient toutes dans la chambre et j'ai quand même volé l'argent qu'il y avait dans leur coffre-fort. Elles doivent se demander comment est-ce que j'ai fait pour re-rentrer. Regardez ça. Mais vous, les amis, vous savez exactement comment j'ai fait. Je pense que ça va beaucoup vous aider, mais bien sûr, hein, elles m'ont ban à nouveau. Comment leur en vouloir, franchement? Je ne fais que les embêter depuis que je suis arrivée dans ce serveur. Elles sont tellement gentilles. Mais les amis, ne dit-on pas jamais 2 sans 3? Franchement, je ne peux pas résister à l'envie de le faire une troisième fois. Et si ça remarche cette troisième fois, les amis, si j'arrive à les recambrioler une troisième fois, je compte sur vous pour faire exploser le compteur de likes. Et d'ailleurs, même si j'échoue, je compte sur vous pour le faire exploser quand même. Donc voilà, je quitte le serveur, hein. Je refais exactement la même chose pour vous remontrer. Je rejoins de nouveau Cynthia qui, elle, est restée sur ce fameux serveur. Et une fois que je suis là, eh bien, je retourne à la même maison de laquelle j'ai été ban. C'est toujours la maison qui est juste ici, hein. On la voit. Elle est au numéro 17. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est juste ici. Par contre, il y a l'une des jeunes filles qui est juste devant. Alors, attendez, si je veux quand même réussir à les cambrioler, je vais attendre qu'elle parte de devant la maison.
c'est bon les amis, elle n'y est plus, en tout cas je pense. Voilà, c'est bon, j'ai vite récupéré mon plateau et ma bombe. Il n'y a toujours personne en bas, je dois agir très très vite. Donc je vais aller dans la chambre, j'espère qu'il n'y a personne dans la chambre. C'est bon les amis, le champ est libre. Par contre, j'ai fait tellement vite en fait. Je me suis déconnectée et reconnectée tellement vite que le coffre-fort n'a même pas eu le temps de se re-remplir depuis que je l'ai cambriolé. Mais c'est bon les amis, il s'est de nouveau rempli. Je vais pouvoir le recambrioler. Et j'ai réussi. Les amis, j'ai réussi à les cambrioler une troisième fois. Non mais là, je compte sur vous, c'est sûr, les amis, pour faire exploser ce compteur de likes. Oh my god, ça y est, elle m'a repéré. Et bien sûr, elle m'a ban à nouveau et elle a très très bien fait. J'ai largement mérité de me faire ban encore cette fois-ci. Donc voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai quand même réussi à les cambrioler trois fois et je vous ai bien montré que cette technique, elle marchait dans 100% des cas. N'hésitez pas à l'essayer et à venir me dire ça en commentaire. Bien sûr, avant de vous quitter, on va remercier ma sœur géniale, Cynthia. Franchement, ça avait mal commencé entre nous, mais le plus important, c'est que maintenant, elle est devenue adorable et qu'on est inséparables. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye les amis.